Coucou tout le monde, c'est Clouclou MDR et aujourd'hui nous sommes rendus à la deuxième semaine à poster une vidéo sur les 7 Perfect Girls. Et donc le thème de cette semaine c'est cuisine. Donc j'ai décidé pour le thème cuisine de vous montrer comment faire un pain. Alors c'est parti! Vous aurez besoin de 4 tasses de farine, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile de canola, un petit peu de sel, 2 cuillères à soupe de lait, un sachet de levure rapide, 1 et 1 demi-tasse et une machine à pain. Dans le contenu. Mettre l'huile de canola dans le contenu après de mettre le lait. Prendre le sucre et verser le sucre dans le contenant. Prendre le sel et en verser un petit peu dans le paume de votre main et le mettre dans le contenant. Verser la farine. Pour finir, prendre le sachet de levure, le découper et le mettre par-dessus tous les ingrédients à la fin. Prendre le contenu, mettre dans la machine à pain et incliner-le. Refermer la petite porte. Sélectionnez Rapid Bake. Appuyez, sélectionnez sur Dark et faites Start. Alors la vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. Puis je suis désolée car quand je disais de mettre le lait dans le contenu, il y avait de la farine et d'autres ingrédients dedans. C'est parce qu'on a eu genre un problème, on s'est manqué dans la recette, donc en fait l'ordre c'est en fait ceci, donc je le fais ici, donc voilà, parce que je veux vraiment pas vous mélanger, parce que comme vous avez genre versé le lait dedans, puis il y avait comme la farine, on avait versé le lait dedans, puis il y avait genre la farine au fond. Fait que c'est sûr que vous êtes posé la question, c'est comme c'est un peu bizarre. Mais j'ai dit d'effacer la farine. Faites semblant qu'il y avait déjà l'eau là, puis le lait mélangé ensemble, ok? Donc, on a eu un problème, c'est tout. Donc, en or, ça fait une et demi tasse d'eau, deux cuillères à soupe de lait, deux cuillères à soupe d'huile de canola, ou ça, tu peux prendre aussi de l'huile végétale, n'importe quelle huile peut fonctionner. 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à thé de sel, mais tu peux prendre aussi du sel, un petit peu de sel, comme ça, mettre dans la paume de ta main, j'ai dit. 4 tasses de farine, puis un sachet de levure. Mettre tous les ingrédients dans l'ordre, sélectionner Rapid Bake et Crust Dark, puis Start. En fait, comme vous avez vu aussi sur la caméra, quand j'ai dit d'appuyer sur Rapid Bake, en fait, j'ai dit ça, j'ai appuyé dessus, puis quand j'ai dit de sélectionner Dark, ben en fait, j'ai tout de suite appuyé sur Start parce que c'était déjà sur Dark. Donc voilà. Alors, pour ça, je suis extrêmement désolée, je ne veux pas vous mélanger, mais comme je vous ai dit, oubliez au début qu'il n'y avait pas la farine et rien d'autre, juste l'eau mélangée avec le lait, c'est tout. Et les ingrédients continuent à faire rien de mieux. Voilà. Désolée encore une fois, et voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais
contente d'avoir mis cette vidéo et surtout de la farine. Et donc je précise, si vous mettez de la farine blanche, ça dure 1h58 minutes. Et si c'est avec du pain brun, ça dure 4h. Likez ma vidéo et abonnez-vous!